Jamais, jamais. On peut monter encore au-dessus? Je crois que oui. Hein. Il me semble que voilà, ici. J'avais vu. Ah! Ça nous permet d'aller là-bas directement. Mais est-ce qu'on a envie d'aller là-bas directement? Ça, on a fait. Ah, bah, quoique. Ouais, mais bon. Je sais pas, hein. J'avais pas fait un seul. Bon, bah, voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais vous dire quelque chose. Je me souviens plus. Mais ma mémoire, ma mémoire. Voilà. Hop, allez, on y va. On peut aller là-haut. Ça fait du bruit, on est discret, hein. Team discret, bien sûr. Mais bien sûr que vous êtes la communauté la plus merveilleuse, évidemment. Évidemment. Surtout toi, Nishiki, hein, bien sûr, toujours avoir des mots bienveillants envers moi, tu vois, toujours de la bienveillance. Je m'étouffe et tout en le disant, hein, Nishiki. Hein. C'est pour te dire à quel point c'est vraiment bienveillant, quoi. Hein. Toujours la remarque appropriée, voilà, exactement. Ah là là, mon dieu, c'était... waouh. C'était dur de sortir ça, hein. Wow. J'ai l'impression que je suis en train de refaire les passages que j'ai déjà fait. Vraiment, je suis pas organisée dans ma fouille. Il faut que j'aille là-bas. Très bien. Donc on va y aller. Je vois que tu es tellement émue, bien sûr, bien sûr. Non mais en vrai, vraiment, vous êtes une super communauté. Mais merci à vous qui êtes là. Pour tout ce que vous faites, même pour la discussion c'est vraiment hyper important pour moi. Et vous m'en donnez beaucoup, et merci à vous. Sûrement de la dynastie Yuan, peut-être un vestige de la flotte de Kubilai Khan. Hop, ça ok. Coucou Tebout, coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Namisaïen, au rapport. Donc c'est là que je dois aller, hein. Mais nous on veut pas y aller parce que moi je suis chiante et que j'ai décidé que j'allais explorer. Voilà. Désolée. Désolée les potes. Faut que j'aille où? Attendez, attendez. Attendez. C'est bon, tout va bien. Tout va bien. Tac. Ça c'est ok. Ça c'est vraiment ok. Tac, alors. Du coup, moi je veux aller. Je veux aller là-bas. Oh, regardez, il y a des caisses là-bas. Il y a des caisses, on veut y aller. Ça, c'est ok. Mais les gars, mais j'ai tellement l'impression de tout rater. C'était horrible. J'ai l'impression de passer à côté du jeu là. Ça, on récupère et il me semble que du coup... Ok, on peut aller ici. Je viens de me rappeler l'eau de mer pour le nez. Oh, j'adorais me mettre le truc dans le nez. Alors, vous avez trouvé ça bizarre, ok. En fait, je trouvais ça horrible, mais je trouvais ça tellement bien en même temps. Oui, je suis bizarre, d'accord, ok. Mais avouez quand même que l'eau de mer dans le nez, genre c'est horrible, t'es là en mode... C'est horrible, mais avouez, ça fait trop du bien. Non? Vous êtes pas d'accord? Le stérimar là, ça s'appelle. Non, vous aimez pas ça? Ça prend encore moins de trucs que moi. Ah ouais, mais moi je veux. Je veux récupérer. Je récupère tout ce qu'il faut. Oh, attendez, il y a un géocache ici. Je vois. 1 sur 15! Mais jamais je trouve tous les géocaches de la zone. C'est mort en fait. Ah! C'est vraiment un sacré bordel. Tu parles d'une retraite tranquille. Si jamais je retrouve Ross sur cette foutue île, d'abord je lui collerai mon poing dans la gueule pour nous avoir amenés ici. Ensuite, à nous deux, on éliminera tous ces cinglés jusqu'au dernier. Comme au bon vieux temps. Mais sans ce bon vieux Dicky Croft. S'il était en vie, je suis sûr qu'il voudrait étudier ces fanatiques. Tous ces illuminés, je parie qu'il les trouverait... fascinants.
J'espère que sa fille a plus de jugeote et qu'elle a réussi à se cacher. Ces salopards sont dangereux. Je suis inquiet pour tous ces gamins. Alex, Sam... Il y en a qui se mettent un os dans le nez. Comment ça, un os dans le nez? Qui fait ça, en fait? Qui se met ici présent des os dans le nez? Qui s'enfonce quelque chose dans son nez, en général? Moi, je déteste ça, hein. C'est juste que le Stérimar, je trouve ça vraiment sympa. Les indigènes. Ah ouais? Non, mais eux, ils se le mettent ici, là. Ils l'enfoncent ici, de là à là. C'est différent, moi je te parle dans le nez. Oh, on a encore de l'histoire. Nous sommes maintenant plus d'une centaine. Tout le monde, enfin, bah, bien sûr. Nous avons commencé à déblayer le vieux palais et bientôt, nous commencerons à bâtir une ville au pied de la montagne. Les Japonais avaient construit un système de nacelles de transport que nous avons remis en service. Mathias prétend que nous travaillons pour la Reine Solaire, comme ceux qui ont bâti les monuments de l'Égypte ancienne. Mais je connais ses intentions. Mathias gagne du temps. Ce projet monumental ne sert qu'à nous tenir occupés. Malgré les rituels, les tempêtes et la peur d'être exécutés, les hommes finiront par se retourner contre lui. Et quand ils seront prêts à le faire, je serai prêt à prendre sa place. J'ai rien écouté. J'ai rien écouté parce que je suis allé chercher un truc dans mon sac. Tant pis. Voilà, fallait écouter. Les absents ont toujours tort. Alors qu'est-ce qu'on a là-haut? On a ça. Ok, alors c'est là où ça va être compliqué. À mon avis, il va y avoir de la baston. Je sais pas vous, mais je trouve que ça sent quand même vachement la baston. Voilà. Let's go. Tac. À mon avis... ça va se battre sec. Non. Oui. Hop. Ça, c'est good. Tuc. Alors, à mon avis, c'est quand je vais ouvrir le portail, ils vont me foncer dessus et va falloir les brûler. Va falloir brûler tout le monde. Ça, ok. Non, là, on peut pas passer. C'est mort, en fait. Qu'est-ce qu'on a? Oh! Mais dis donc! Une figurine en jade de la dynastie Ming. Celle-ci a l'air authentique. De la dynastie Ming. Et qui était Ming? Du coup, est-ce qu'il y a des fans de la culture japonaise qui sauraient nous expliquer qui est Ming? Là, y'a rien. Oh, là, y'a une plante! Let's go! Non, personne ne saurait nous expliquer qui est Ming. Ming, c'était Ming. Merci. Alors, Zenkei a peut-être la réponse! Non, mais en vrai, ça m'intéresse. Je vais taper sur Google, j'arrive. Dynastie Ming. Je pense que Ming, c'était la famille. Et je pense que, vu comme c'est dit... On peut loot tout le monde maintenant. Voilà. C'est parfait. Tada.
À mon avis, il y a un piège ici aussi. Ah non, dommage, je suis déçue, je pensais qu'il y avait un piège, je voulais me prendre au piège et tout là. Tant que je me batte encore avec tout le monde. Mais non, hein, c'est pas possible. Encore un sacrifice. Oh, déjà c'est chinois et pas japonais. Qu'est-ce qui pousse à faire ça? Bah si, c'est japonais, Nishiki. Parce que elle c'est que des éléments japonais dans le jeu. Ce serait une erreur de la part des devs. Attendez, il y a un truc là. On peut pas y aller? En tout cas, c'est charmant. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez la même décoration chez vous. Je trouve ça vraiment pas mal du tout. C'est inspirant. Vraiment inspirant, ouais. Et il y a les deux? Ok. Il y a les deux alors. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a ça, mais moi je veux pas, moi je veux checker ce qu'il y a là. Je crois qu'on a tout fouillé les gars. Je pense que ça y est, nous avons tout fouillé. C'est pas moi. Si jamais, qu'on remet les choses dans leur contexte. D'accord, c'est vous qui faites du mal là, c'est vous qui cherchez la merde. Hein. Moi je veux juste partir de cette île. Ok. Oui mais oui Nishiki. Mais là, en l'occurrence, c'est que des artefacts japonais qu'on trouve. C'est pour ça que je te disais que là, c'était japonais. Bon bah du coup, ça y est. Bon là, on peut y aller. Oui, t'as le droit, et qui? Vas-y, je loupe quoi? Qu'est-ce que je loupe? Si je regardais ma carte. Je loupe quand même pas mal de choses. Hein. Retour au sacrifice, ici. Ok, on va retourner au sacrifice. Ah, bah c'est pas par là. Je sais pas par où c'est. On va essayer de trouver le bon chemin. C'est une île de Pacifique occupée par les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Oui, 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 c'est ça, ouais, Ghoul. Tout à fait. Donc on retourne ici. Et là, qu'est-ce que j'oublie? Oh! Mais oui, de ouf! Non mais est-ce que... Ah! Oh, un géocache! Ok. Trop cool! Je sais pas comment prendre cette blague, Groover.
Sam qui est dans la sauce. Ouais, Sam pendant ce temps-là, elle est dans la sauce, mais ça c'est pas grave, écoute, elle avait qu'à pas se faire enlever. Et donc là, je crois qu'on est dans un temple. Ok. Pas mal de... C'est cool ça. Ah mais lâche. Non là y'a rien à récup. Oh. Hé hé, maintenant je peux faire ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Non mais on est d'accord, mais vu que depuis le début c'est des artefacts japonais, qu'est-ce qu'un truc chinois viendrait faire là? Tu vois ce que je veux dire? C'est tac. Il est possible que j'avance jamais Enfin, par exemple là je vois qu'on peut récupérer du feu ici. Est-ce qu'il est possible que j'ai pas trouvé en avançant dans le jeu les améliorations pour avoir le feu? Ou ça se fait automatiquement? C'est un temple ça, je reconnais. LT. Des statues de la reine solaire. Cet endroit était un lieu sacré. Bah j'imagine qu'il faut faire ça. Non c'est automatique, ok. Ok. D'accord, je vais quand même sauvegarder. Oh là là, on peut améliorer deux compétences. Castagneur. Expert en piolet, utilisez le vieux piolet cranté pour porter un coup surpuissant capable d'étourdir vos ennemis. Ou esquive élimination, ouais, on va maîtriser ça. Ça me paraît pas mal du tout. Et j'ai un point de compétence. Votre force accrue vous permet de transporter un maximum de munitions. C'est pas mal aussi, mais bon, c'est vrai que j'en utilise pas beaucoup. Les archers peuvent récupérer les flèches sur les cadavres ennemis, mais ça je l'ai terminé. Ah. Comment on utilise ça? D'accord, donc maintenant sur la carte, il est visible ce que je n'ai pas trouvé, c'est ça? Bon, je sais pas, je comprends pas trop la carte. Mais après c'est moi, est-ce que j'ai déjà compris la carte dans un jeu vidéo? Oui. Et du coup ça fait quoi d'avoir fait ça? Attendez, est-ce que ça fait quelque chose? Non mais attendez, je crois que j'ai pas compris. Instinct de survie LB. Ok, il faut que je l'attrape quand elle monte. Non, ça brûle pas. Ok. 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 C'est good, on a réussi. Ok, j'ai compris. C'est curieux. Solari profane ces ruines anciennes pour en faire un lieu de culte. Merci, merci Eki. Et merci pour vos idées les copains. Merci à vous. Du coup, ok, bah on va fouiller, on va piller le tombeau. Ok, tombeau pillé, bon bah ça c'est good. Bidon vide, carte et relique trouvée, voir les emplacements. Ah, donc en fait, ce qui est en noir, c'est ce que j'ai trouvé, c'est ça? Et ce qui est en comme ça, c'est ce que j'ai pas trouvé? Ou pas? Ou est-ce que je raconte n'importe quoi? Oui, ok. Et du coup maintenant il m'affiche ce que j'ai pas trouvé. D'accord, donc j'ai tout trouvé dans cette zone-là.
Donc en fait, j'ai bien fouillé. Allez, voyez, moi je fouille bien. Je sais bien fouiner dans les affaires des gens. Le truc qui n'a aucun rapport. D'ailleurs, une question que je voulais vous poser, est-ce que vous préférez qu'on fasse tous les Tomb Raider à la suite et ensuite les Uncharted, ou qu'on alterne Tomb Raider et Uncharted pour les let's play? Qu'est-ce que vous préférez? Moi, je pense... Sondage? Non, c'est trop long pour rentrer dans un sondage, ça, Anakin. Ouais, moi, voilà, c'est ce que j'allais dire, Steven. Moi, je pense que tous les Tomb Raider à la suite, c'est pas mal. Et ensuite, on ferait les Uncharted. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis d'accord, Fawajeb. Je suis d'accord, parce que j'ai promis les Uncharted, mais du coup, peut-être qu'on pourrait finir les Tomb Raider avant de faire plus, quoi. Ah d'accord, ok Nishiki, bah très bien, merci de l'info. Merci pour cette info, super intéressante du coup. C'est bloqué. C'est bloqué. Qu'est-ce qui bloque? Attends, Nami, réfléchis. Oui. C'est ça qui bloque, on est d'accord hein. Évidemment! Nem, les TR d'abord, mais tu as raison. Oui, oui, oui. En fait, je vais alterner. Je vais alterner. En fait, on va faire deux let's play dans la semaine. D'accord? On va faire deux let's play. On va faire Tomb Raider et Horizon. D'accord? Il y aura deux jours par semaine où on fera du Horizon et deux jours par semaine où on fera du Tomb Raider. Ok? C'est pas mal et ça me permet de moi aussi de prendre mon temps sur les jeux et de pas les rush comme une débile. Tu vois ce que je veux dire? On a une compétence. Ok. Instinct animal. C'est gentil, Yainil, comment vas-tu? Coucou à toi. Tu vas aller manger? Tu vas manger quoi de bon? Les cadavres d'animaux pour récupérer des matériaux supplémentaires. Ouais, mais non. On va améliorer ça. Ça me paraît pas mal. Et on a 1200. Alors on a beaucoup trop de... On va améliorer ça. Donc ça c'est bon. J'ai le ok. C'est amélioré à fond. Maintenant on va améliorer quoi? Le ça je l'utilise pas vraiment. J'ai le ok. Mais c'est horrible d'avoir le ok. Je déteste ça. Il nous reste 650. On va améliorer quoi? Le manchon. Le frein de bouche dissipe. J'ai le hockey, c'est horrible. C'est le... Au secours. Aidez-moi. Ah. Ça y est, j'ai plus le hockey. Ah bah si, je l'ai en fait. Oh non mais arrêtez, c'est horrible. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. C'est le hockey qui fait mal en plus, c'est horrible. Vous savez ce que c'est le hockey qui fait mal? Pourquoi le hockey vient comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as utilisé ça? Bref, voilà ce que c'est, Nani. C'était un effet que j'ai rajouté, que vous pouvez faire avec la caméra. Mais faut le faire à des bons moments, tu vois. Genre, pas sorti de nulle part, ça peut être bien placé et drôle. Du coup, voilà le Nani. Ce que j'ai rajouté... Avant de partir en week-end, je connais ce mème, bien sûr. Tout le monde connaît ce mème. Je m'attendais pas au zoom. Et si, c'est la petite surprise, le zoom de la caméra. Attendez, on va aller ici. Je retiens ma respiration.
Non. Oui, ça vient de Hokutonoken. Retiens là 5 minutes, bien sûr Nishiki. J'ai lu R14, j'ai pas de verre d'eau. Je vais boire du coca. Eh bien, écoute, Yagnil, tu mets un réveil. 9h50, le temps de te réveiller. Et tu es là, tous mes débuts de live en semaine. Voilà. Coca, ouais, je suis sûr, ouais. Je vais sentir un truc qui descend sous ta poitrine, c'est le diaphragme qui se remet en place. Ok. Je sens rien du tout, mais je crois que c'est bon. Enfin, je sens rien du tout, mais je pense que c'est bon quand même. Le coca a aidé à passer, ouais. Le coca, ça fait roter, c'est pas mieux. Écoute, je sais pas ce que vous avez, mais moi, j'aime beaucoup roter. Voilà, je sais que c'est dégueulasse. Et je le ferai jamais, et j'évite de le faire en live parce que je sais qu'il y en a qui détestent ça. Mais j'adore roter. 24 octobre 1994. Ma patience est enfin récompensée. Ma troupe de fidèles lieutenants, les exterminateurs, est enfin constituée. Les tempêtes m'ont apporté exactement les hommes qu'il me fallait pour bâtir la confrérie des Solari. Des hommes forts, mais dociles. Ils ont été brisés par les tempêtes, ils sont affaiblis et vulnérables. Et je leur ai tendu la main. À présent, ils me servent et à travers moi, ils servent la reine. Donc ça c'est le fou, hein. Vous avez vu, il y a marqué, c'est Mathias elle qui parle. Montre la voix. Et en haut, il y a marqué journal elle d'un fou. Toujours montré la voix. Je ne peux pas nier ce que j'ai vu. Et bientôt, ils verront. Elle est partout sur cette île. Mais la confrérie des Solari doit s'agrandir. Nous recruterons autant d'hommes que possible. J'instaurerai des lois. Et ils travailleront pour la reine solaire. Pendant que je chercherai la clé. Hop. Et coucou Matt, comment vas-tu? Coucou à toi. Alors attendez, je voudrais voir un truc dans les options du jeu quand même. Les dialogues est à fond. Si je baisse la musique. Comme ça. D'accord? Si je baisse la musique comme ça. On pourra augmenter un peu le son. Et en fait, les dialogues seront bons, j'espère. Sinon, sinon faut refaire tous les trucs. Bref, ça va, merci Matt. Ça va bien. Ok, on a ça. Ça m'inspire vraiment confiance comme lieu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment super accueillant. Voilà. Je t'ai éclaté. Ouais, je me suis éclaté de fou à la convention. Ouais, bah ouais, mais bon, j'aimerais bien qu'on entende bien les voix en fait et pas forcément la musique. Mais attendez. On est d'accord, j'ai baissé la musique et j'ai augmenté les voix. Et c'est moi ou le son est plus fort? Ah, mais oui, mais c'est dans mes oreilles. Voilà. C'est dans mes oreilles en fait que c'est plus fort. Oh mon dieu, c'est Green. C'est Green, faut aller sauver Green. Bah plus tard, je loot d'abord. Important le loot. Hein. Attendez, j'éternue. Michou, Grim, tu t'es échappé. Ils ont pas pu me retenir. Ah. Viens me rejoindre. Mes souhaits, bien sûr. Hein. Voilà, le hockey, le... Terrible. Ça va. Lara, ramène tes fesses par ici. Attendez. Tu la vois pas, l'échelle, là? Mais, oh, mais qu'est-ce qui... Tu vois pas que je suis pas en train de regarder l'échelle? Oh, peux me laisser faire ou c'est pas possible? Allez, bouge-toi. Et ramène tes fesses par ici. En fait, ça fait un truc de grand-mère. C'est pour attendre... Pour atteindre ce but, ça a été déformé au fil du temps. D'accord. Il faut qu'on aille aider les autres. Mais oui, mais deux secondes. Oh, mais il attends, me presse, celui. Attends, Lara, je suis une étoile. Étrangère, abandonne. Toi, t'abandonnes. Allez, Lara.
Ça saute. Ok. Salut petit gredin. Tu vas bien? Ok, 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 oula, oula, oula. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Mais arrêtez de m'envoyer vos trucs là. Vous pouvez mourir dans votre vie ou c'est pas possible? Je vous envoie plein de flèches enflammées et puis vous survivez tous. Ils sont tous résistants à la chaleur en fait. C'est des humains de type O. Tu vois? Résistants au feu. Non. Oh là là, tu meurs. Ok. Oh, tu meurs. Oh, je vais mourir. Ça va, tout va bien. Ma voix est un petit peu partie en cacahuète. Ok. 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 Mais genre je l'ai eu. Quand tu meurs. Mais attendez. Mais attendez. Non. Voilà, toi dans ta tête. Là il y a quelqu'un. Là j'ai vu, il y a quelqu'un aussi. Meurs. Mince, mince. Vite. C'est à moi. Tiens, t'es mort. Heureusement que je suis en facile hein. Heureusement que j'ai le temps de viser. Tout ça, tout ça. Faut pas chercher personne. D'abord, voilà. Coucou Kaelou, bonjour à toi. Bonjour. Comment vas-tu? Ok, ça c'est good. Bon, ils arrivent encore ou pas? Lara, t'es vivant? Oui. Si on peut dire. Où sont les autres? Ils sont enfermés à l'intérieur. Mais chez où? Monte ici et on ira les chercher ensemble. Je ne peux pas grimper d'ici. Ah, bordel. Attends, ils utilisent une espèce de système pour hisser des objets. Tu peux peut-être t'en servir toi aussi pour passer de l'autre côté. Bah bien sûr. D'accord. Je vais essayer. Eh bien c'est parti hein. C'est parti. On va se mettre où? Comment on va faire? Déjà, je voudrais récupérer voilà, des flèches parce que bon, on en a plus beaucoup. Hein. On les utilise un peu. Ça, ok. Voilà, normalement j'ai loot tout le monde. Ok. Mais vous avez vu, j'ai plus le hockey. C'est-à-dire que toutes vos techniques en même temps, elles ont toutes fonctionné. C'est beau quand même. Hein. Mais Négafar, tu sais que j'ai pensé à la même. Je me suis dit, mais si tu poses l'échelle contre le mur, d'accord, ça marche quand même. Tu vois, il n'y a pas besoin que... Voilà. Mais non, elle a des pop. Elle a des pop, malheureusement. Mais c'est ça qui fait ce bruit, je me suis dit, mais c'est quoi ce bruit en fond là? Il y a un bruit chelou. Est-ce que je veux aller là? Oui, je veux aller là, bien sûr. Ça, c'est ok. Est-ce qu'il y a des choses à... Mais il y a du loot ici! Je reconnais... Oh! Un caillou. Oh, j'adore le sport, le hockey. Je trouve ça trop stylé. Cet INRO était probablement utilisé par un chef militaire pour transmettre les ordres officiels. Ok. Y a peut-être autre chose là-bas. Non. Des escaliers.
d'autres escaliers. Ici, il va y avoir un texte, je le sais. Bah non, il y a rien, il y a juste un cerf-mort. Et un plaisir. Alors, du coup, il faut que j'aille là-bas. Hein. Faut juste que j'aille là au-dessus. Oh. Ok. Allez, vas-y Laurent, tu peux le faire. Nickel. Là, il y a un géocache, j'ai vu, il est où le géocache? Il est là. Ouais, c'est bon. Je pense que le hockey sport, c'est un bon moyen aussi. Alors, pour t'enlever le hockey, non, je pense pas en vrai, Arcator. Je pense que ça fonctionne pas trop. Si je regarde la carte, il y a un géocache de l'autre côté. Est-ce que j'ai envie d'y aller? Franchement, les géocaches, ça nous apporte pas grand chose. Hein. Ça nous apporte vraiment pas grand chose. Ah, par contre, je peux monter ici. Ce passage est assez chaud. Tu trouves, DJ Filler? Pour le moment, ça va. On va voir. De toute manière, après, je suis en facile, hein, faut pas oublier. Ok. Non, attends. Ah, c'est ça que tu veux que je fasse? Oui, mais moi je veux pas faire ça tout de suite. Moi je veux loot. En fait. Ah, le passage est chaud parce qu'en fait on va se faire tirer dessus pendant qu'on est sur la caisse, c'est ça? C'est sûr. 100% c'est ça. Me dites pas, hein. Laissez-moi la surprise. Bien sûr. On va redescendre. On va redescendre parce qu'on a une caisse. Ok, tac. On récupère, voilà, tout ça pour ça, pour 30, c'est pas grave. Je me demande s'il y a d'autres endroits qu'on peut loot ou s'il faut absolument utiliser la caisse pour y aller. Bah je sais pas, on va voir du coup. Ah oui, là, il y a du... À mon avis, je suis pas obligée de prendre la caisse et je peux aller là. Ok. Ça, on loot. Ça, on récupère. Évidemment, hein, je suis en train de me faire attaquer, mais c'est pas grave. Inro plaqué or contient du matériel de calligraphie et de l'encre séchée. Il devait appartenir à un scribe ou à un historien. Trop cool. Non, attendez, là il y a quelque chose. Oh oui, il y a un géocache, je vois. Je vois le géocache. Lara est une allumeuse, bien sûr. Hop, voilà. Hop, tu meurs. Touché, hein. C'est tendu. J'ai grid. Ok, j'avoue. Je l'avoue, d'accord. J'ai grid. Est-ce que du coup, ça, il est tombé? La fille est là. Prévenez les autres. Non, je crois qu'il est pas tombé. Je crois que je suis obligée de tout reloot. Attends, vraiment? Vraiment ou pas? Est-ce que je suis obligée d'aller en bas? Non, je crois que c'est bon. Ça, on le casse. Je crois que j'en ai loupé plusieurs des ceux-là. Comment on va faire? C'était presque un rip. Bah, c'était un rip tout court. Hein. Je
Mais c'est que t'en as de la force pour envoyer tes bombes. Ok, ça c'est good. Ok, ça c'est bien. Ça on l'a fait, maintenant on va... Est-ce que je suis obligée de tout reloot? Je crois pas, hein. Je crois que tout ce que j'ai loot, c'est bon. Hein. Genre si on va là... Oh non, je suis obligée de tout reloot? Ah non, 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 c'est bon. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pas besoin de tout reloot. Allez, let's go, on y va. Vas-y, hop. Je revive la raclette. Oh non, tu vas manger une raclette. Mais moi j'ai faim. J'ai faim moi aussi. Alors. Ça c'est good. Il s'est raté? C'est moi ou il s'est raté? Allez! Trop fort! J'ai besoin de... Mais comment? Non mais attends! Mais! Voilà, prends-toi ta balle là! Oh! Dis donc! On va pouvoir loot. C'est pas mal. Ça ok. Ah tu manges pas de raclette? Non si tu es en train de manger une raclette, je sais. Je sais que tu vas manger une raclette. L'a dit. Là mais il y a trop à explorer. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Mais attendez, mais il y a beaucoup trop à explorer. Oh, ce genre de monde où je me perds. Ok. Vive le Winter Body et la raclette, bien sûr. Trop bon la raclette. Moi j'ai le Winter Body toute l'année de toute façon. C'est mieux. Du coup que je regarde. Attends, c'est où? Ok, c'est là-dedans. Là-dedans il y a du loot et après on peut y aller. Genre ici. Peut-être dans ce bâtiment en fait, hein. Voire pas du tout. Je viens de passer devant... Ah ouais? Je viens de passer devant 4 caisses de matériaux. Ah ouais. Pour de vrai? Je me dis pas des bêtises, hein. Dans la grotte où j'étais, bah non. Si. Et bonjour Kayops, comment ça va? Bonjour. Oh mais si. Oh mais si. Mais complètement en fait. Tac. Comment on va faire? Oh, parce que là il faut trouver les trous. Ça ok. J'ai mon ventre qui est en train de gargouiller de ouf. Tac. Ici. Lululule. Comment je vais faire? Comment je vais faire ça? Et là, c'est là-haut. Ah bah oui, mais c'est celle-là. Mais qu'est-ce que je fais? Non mais accroche-toi. Accroche-toi, s'il te plaît, merci. On va monter. Non. En fait, il faut que je sois là-haut. Mais oui, c'est ça.
faut que je sois sur ces planches là. Non. Non, non, non. Ah, attendez, peut-être ici. Vite. Let's go, ça c'est good. Ok. Merci pour le tips parce que c'est vraiment cool du coup. Pique-assiette, succès déverrouillé. J'ai déverrouillé pas mal de succès avec ce Tomb Raider. En même temps, je fouille bien et tout, donc ça m'étonne pas. Moi, j'aimerais juste trouver ça et ça et après on y va. Après, on y va. Ok, donc c'est par ici. Mais c'est où ? Ok. Est-ce que ce serait pas en hauteur, genre ? Vas-y. Allez là, grimpe ! Tout dans les bras ! On y va ! Let's go ! Bah pas du tout. Je pense que c'est là. Ok, je pense que c'est là et l'autre je sais pas. Attends, hop, je vais aller ici. Bah non, mais c'est où? Il y a un document là. Ok, est-ce que... Mais... c'est où? Que faut pas faire ça? Petite balade champêtre? Je vois pas où ça peut être. Ou alors c'est tout en bas. À mon avis, c'est tout en bas. Descends! Descends Lara! Saute! Attends quoi, il y avait un truc ici, là on peut le loot? Ici! Ici il y a quelque chose! Qu'est-ce que c'est? C'est un tombeau? Je crois que c'est un tombeau! Là il y a un géocache. Ah non, pas du tout, si. Oh, t'es en train de manger des sushis! Moi j'ai pas de nourriture, j'ai faim! Je crois qu'on est dans un tombeau là, les gars. Ok. Un tombeau un peu dangereux quand même, hein! Ah bah je veux bien moi des sushis! Tellement envie de sushi. Ça, ok. Y a quoi ici? Ok, il y a une suite et là-bas il y a quoi? On voit rien du tout. Peut-être que vous voyez mieux que moi sur mon écran. Ouais, mais du coup il y avait l'autre côté aussi. Je vais aller voir de l'autre côté. Par contre, c'est chiant parce que quand quand on est dans le noir comme ça, elle court pas. Court pas, bon en même temps on voit rien, donc c'est normal qu'elle court pas, mais bon. C'est embêtant. Je marche. Je sais pas du tout où je vais, mais j'y vais. Waouh! Une sorte d'atelier. Il est trop beau! Que les Solari ont pris possession de tous les vestiges de cette île. On va améliorer ça. Normalement, j'ai amélioré toutes mes armes. Ah non, il me manque. Bah non, normalement, j'ai tout amélioré. On peut plus rien faire. Ah si, là. Si, ici. Voilà. Ça, ok. Ok, j'ai tout amélioré. Trop cool. Alors,
Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut faire? Regardons, on a ça déjà. Ces étagères n'ont pas l'air solides. Il suffirait de les charger un peu pour qu'elles tombent. Ok, bon bah alors ça... Allez, Lara. RT. Oh, c'est passé. Mais quoi? Ok, ça c'est good. On récupère, on charge. Je sais pas pourquoi on fait ça. Hein. Je sais pas du tout. Moi, je voudrais envoyer ça là-bas. Ok. Ok, maintenant, comment on va faire ça? Non! Ah bah voilà. On peut mettre le feu au cadavre? Ça sert à quoi de faire ça? Bon, je sais pas. Ça, on va récupérer. On va la mettre... Ok, et donc là, normalement, comment on va faire ça? Ah, il faut que je cours et que je saute. Ok. Allez! Trop fort. Ok. Et ça y est, on a réussi. C'était pas évident. Je pense qu'il faut encore... Tout ça a été construit sur d'anciennes ruines. C'est fou, hein. J'aime beaucoup le détail qu'il y a dans ce jeu. Incroyable. Je vais piller une tombe. Donc ça, c'est ok. Et maintenant, on va aller faire un petit tour de toboggan dans un tube. Bloop. Let's go. Ah ouais, ok, d'accord. Et du coup, on a un autre endroit à vérifier, qui est l'autre côté, mais peut-être que c'était la sortie du coup. L'autre endroit qu'on a trouvé. Au final, ça fait que j'ai pas trouvé tout ce qu'il y a là, hein. Mais bon, à un moment donné, bon, je vais pas forcer non plus, si j'y arrive pas, je trouve pas, on va avancer dans l'histoire aussi, hein. Donc moi je vais aller ici, on encore passe ici. Merci pour vos GG les copains, merci beaucoup. Ok, j'ai cru que j'allais atterrir dans le vide. Carte mise à jour, mais oui, mais il m'a mis, mais regardez tout ce qu'il m'a mis là, il m'a mis au taquet de récompenses que j'avais pas trouvé. Quel enfer. Ok, donc c'était bien la sortie. Alors c'est une autre sortie. Non, c'était bien la même sortie. Ok. Est-ce qu'on a une caisse de munitions? Il y a un cochon juste là, tout va bien. On peut faire ça. Il m'a mis ou il n'a mis? Il n'a mis évidemment. On a. Allez, le morceau d'histoire il est juste là. Ah non, c'est un artefact. Une coupe cérémoniale de la dynastie Song. Un travail d'orfèvre. Magnifique. Est-ce que du coup le son des voix est mieux par rapport au son du jeu? Je pense que oui, hein. Je pense que là on a trouvé quelque chose de pas mal, les copains.
quoi? Ah, c'est un jeu au cache, ouais, bon. Le jeu au cache, un peu aux F. Ok. Silence, défi terminé, bah nickel. Ça, c'est ok. Je pète tout. Ok. Donc maintenant, il faut aller ici. Donc il faut qu'on remonte là-haut. Donc... C'est chiant. Ouais. Ouh, ça fait mal. En fait, je sais pas où je suis. J'ai fait n'importe quoi. J'ai pas sauté au bon endroit, c'est pas grave. Allez, on y va. Allez, saute pour aller plus vite. Là, on a des munitions. On va récupérer. Là. Non, rien du tout. Ah, c'est oui, d'accord, c'est des flèches. Ce sont des flèches, ok. Donc maintenant, faut que je comprenne ce qu'il faut faire parce que... En fait, on aurait pu prendre des caisses avant. Et du coup, je vois pas pourquoi ils nous demandent d'aller là-haut si on aurait pu prendre ces autres caisses. Je suis pas sûre de comprendre. Allez, je pars, on y va. Tac. Munitions, ok. Eh bien écoutez, let's go. Non mais vraiment, tu vois, c'est bien. Très bien. Salut, hello, comment vas-tu, coucou à toi? Faut que j'aille là-bas maintenant, bah oui. Mais mec, t'es sérieux? Je comprends pas qu'est-ce qu'il voulait que je fasse avec ça. Vraiment, j'aurais pu gruger là. J'aurais pu gruger. Est-ce que je suis dégoûtée? Oui, parce que du coup, on est obligé de refaire tout le tour. Allez, on est reparti pour un tour. Ça va, merci. T'as passé une bonne journée? Bon, une bonne matinée plutôt. Tac. Ok. Allez, on y va. Coucou Zalion. Rim, tu es là? Bon bah des bisous. C'est un piège, Lara. Vas-y, la fille. Montre ce que t'as dans le ventre. Oh non. Ok. Faites des bisous à Zalion, ma part. Très gentil, des bisous à lui. Vu qu'il a pas le son et Rim, enfin, peut pas voir ni entendre. Bon, ok, c'est bon, j'ai compris. Vous voulez qu'on y aille aux pompes? Bah, y a pas de pompes, hein. Me saoulez pas. Ok, alors attendez. Attendez, pourquoi ça marche pas? Ça ok. On va
on va récupérer. C'est quoi bug? Non, pas bug. Faut pas avoir des bugs partout. Ça, ok. Mais t'es censé mourir, tu t'es pris une flèche en plein dans la figure, quoi. Merde. Ok. Ok. Ça c'est ok. Et le dernier il est où? Ah. Ah ok, hello. On tue ton ami. Salut Rentemplant. Comment vas-tu? Ok. Tu me fais pas peur. J'ai grandi à Glasgow, moi. Allez, liquidez-moi tout ça. J'ai oublié de m'enlever ma cam pour la cinématique. Ah ouais, hello, ouais. C'est pas trop assassin, hein, ça. Prime. Ils paieront pour ça. Bien sûr. Mais du coup, le mec est quand même mort au final, tu vois. Le palais. Je dois rejoindre le palais. Et son sacrifice, enfin. Enfin, je sais pas, ça n'a servi à rien. Mec, il a servi à rien. Ah là là, moi je l'ai pas continué. Malheureusement, il y avait trop de bugs sur le jeu quand il est sorti. Du coup j'ai arrêté parce que c'était vraiment relou. Alors, on a qu'à monter. Ah, mais oui, il y a des cadavres, on peut récupérer. Regardez-moi tout ce loot. Ok. Ça c'est ok. Bah on a qu'à aller là, hein, écoute. Oh là là, ça là. Ross. Oui. Grimm est mort. Ils ont essayé de l'utiliser pour m'obliger à me rendre, mais il a préféré se sacrifier. Grimm. Foutu tête de merde. On n'a pas vu de corps, ça veut pas dire qu'il est mort. Désolé, Ross. Non, ce n'est pas de ta faute. On ne l'oubliera pas. On trinquera à sa mémoire dès qu'on sera rentré chez nous. Je vais essayer de me rapprocher. Tu crois que tu pourras me couvrir? Oui. J'ai une vue dégagée sur tout le pont jusqu'au mur du palais. Ok. Du coup, là, on en est à peu près où dans le jeu? Bah, je sais pas s'il y a de l'eau en bas ou quoi, mais... Ouais, non, il n'y a pas vraiment d'eau en bas, mais... On n'a pas vu de corps. Moi, j'y crois ici pas tant que j'ai pas vu de corps. Ici, hélicoptère de sauvetage November 888 Romeo Charlie, répondant au SOS émis par l'avion Cargo Trinity. Ici Conrad Ross, de l'Endurance. Vous me recevez? Lara, t'as entendu ça? Un hélicoptère de sauvetage est en route. C'est génial, Ross.
Envoie un signal. C'est trop cool. Je vais chercher Sam et les autres. Maîtrise, esquive, élimination. Ce n'est pas comme pour le pilote, Ross. Sam et les autres sont là par ma faute. Ah, je peux pas. Je vais les chercher. Je peux pas. Esquive, contre-attaque, maîtriser, ça ok. Expert en piolet, ouais. Là, on peut faire quoi? Pas pour le moment. Et ça, on a qu'à améliorer ça. On a qu'à améliorer ça, voilà. Et du coup, maintenant, on a débloqué cartographie. Les entrées des tombeaux et autres lieux intéressants seront affichés sur votre carte. Let's go!